Ah, je sais pas. Elle représentait Luxembourg. Le Luxembourg. Et elle remporta avec 129 points. C'est ça. Le trophée. Et c'était pas 149 à la répétition ? Oh non. Et alors, Lio, elle était devant sa télé. Ah ouais, j'étais devant ma télé. Ce qui est marrant, c'est que je me rappelle pratiquement de toutes les paroles par cœur. Je la voyais, je disais, mais... Et on lui demandera pourquoi derrière. On lui demandera pourquoi derrière. Normalement, c'est le gagnant va remettre le prix à ceux qui gagnent l'année d'après. L'année et d'après. Ceux qui ont gagné l'année d'après, c'était à bas. Et elle nous expliquera pourquoi elle n'a pas pu y aller. Ah. Voilà. Elle est là. Elle est pour nous. Vous allez, ça va rappeler plein de souvenirs. Elle s'appelle Anne-Marie David et ça s'appelait Tu te reconnaîtras. Allez, sa voix est magistrale. Elle n'a pas changé sa voix. Dans les rêves de l'enfance, dans les lèvres que le maître a punies, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. De l'artiste que la gloire n'a jamais couronné, dans ce monde égoïste qui renie ce qu'il a adoré, dans ceux qui ont la voix intacte. Merci. Et l'orchestre en direct, comme à l'Eurovision. Merci beaucoup, vous êtes magnifique. Surtout le guitariste. J'ai pas dit ça. Non mais c'est moi. Ils sont tous très bien. Et ils sont du Sud-Ouest. Et ils sont du Sud-Ouest, bien sûr. Et on se promène tout l'été sur les routes avec eux. C'est un vrai bonheur. Viens Anne-Marie. Viens Anne-Marie. Merci. Voilà, maintenant que la soirée est à son milieu et qu'on peut se poser plus tranquillement, j'ai juste oublié avant, je suis tout de suite à toi, tout de suite. Je veux juste rappeler ça de M. Pokora, parce que l'album mis à jour, en tête des ventes. Et puis ressort avec la version de Nos Actes Manqués. Avec Nos Actes Manqués, c'est ça. Et puis surtout, on parlait de Sud-Ouest. Tu vas être à Narbonne, au stade de Narbonne cet été, on m'a dit. 1er juillet. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, festival. Et même pour tous les fans, le 5 novembre à l'Olympia. À l'Olympia. 5 novembre à l'Olympia de Paris. Voilà. Matt Pokora. Voilà. J'aime bien parce que. T'étais pas né, toi, en 73. J'étais même pas prévu au programme. Même pas prévu, t'étais même pas une lueur dans les yeux de ton père. Je crois que mes parents s'étaient même pas rencontrés. Voilà, c'est ça. C'est drôle ce qu'il dit, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, quand je les vois, des jeunes comme toi, que j'ai suivis d'ailleurs, et que j'ai soutenus, j'ai voté. Merci, c'est gentil. J'ai adoré. Ah oui, oui, non, ce qu'il fait, c'est magnifique. Ces jeunes, ils ont une espèce de gentillesse comme ça spontanée à l'égard de nous les anciens un peu. Et puis oui, ils ont raison, enfin c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais par contre, ce qui est formidable, c'est qu'il est vrai, ils disent je leur dis toujours mais vous étiez même pas dans l'imagination de vos parents. Donc c'est ça qui est magnifique. Dis-moi à propos ce que je disais tout à l'heure, ce soir de l'Eurovision, donc tu gagnes et normalement c'est le gagnant de l'année d'avant qui remet le prix de l'année d'après. En fait, et l'année ça, d'après, c'est donc Abba qui a gagné. Oui, mais sauf et tu que n'y es pas j'avais allé. Non.
non, j'y et suis tu pas m'as appris ça cet après-midi à répétition, et c'est vrai que ça, ça aurait été c'est... formidable ah, d'en mettre ah, ça. Ah, attends, tu es fou, en plus ça bave, tu sais. C'est quelque chose que j'aurai aujourd'hui sur mon Facebook. Malheureusement, non, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'assez dramatique pour la France entière, puisqu'à l'époque, eh bien, le président Pompidou est mort, donc en fait, la France était en deuil, et on m'a gentiment demandé, bien qu'ayant gagné pour le Luxembourg, mais étant de nationalité française, par respect pour le décès du président et la mémoire du président, de ne pas y aller. C'est étonnant. Donc je n'y suis pas allée. Voilà. C'est étonnant, ça, quand même. Ben oui, mais ça fait partie de la règle du jeu. Anne-Marie, aujourd'hui, t'es où ? Alors aujourd'hui, je suis partout en fait, parce que j'ai... je sais que tu étais en Chine, je sais pas où tu étais. Non, je suis partout parce qu'en fait, les gens pensent toujours que les artistes qu'on voit pas en France, on les voit nulle part. Donc voilà, je vais dans plein de festivals, j'emmène des jeunes artistes avec moi dans des festivals pour concourir sous les couleurs de la France. C'est un peu ma marotte. Et puis voilà, là je vais partir à Malte. J'arrive de 3 semaines de croisière où j'ai fait 3 croisières. J'arrive comme ça, et je tout tourne, va bien. Je viens... Et tu t'éclates et tu chantes toujours avec la même voix. En fait, tout va bien parce que je m'occupe essentiellement de moi, toute seule, comme une grande. On applaudit Anne-Marie David, c'est un plaisir de te voir avec nous ce soir. Merci. Et on va tout de suite enchaîner avec un...